Hey yo les bros, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 7 Delicious Grand Cross pour faire un showcase de Escanor, le dieu du soleil. Bon, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur la vocation sur Escanor, du coup au final je l'ai eu, mais par contre j'ai fait pas mal d'erreurs pour les compétences parce que par exemple, tu vois, vous voyez ce genre de compétences, parce qu'en fait j'ai dit qu'il faut aller quand vous mettez une carte à 2 étoiles, et ben ça enlève les jauges. En fait, pas du tout. C'est juste pour remplir la jauge de plus, en fait. Bon, c'était une erreur de ma part, mais de toute façon, j'ai pas gagné mon commentaire au cas où. Si vous dites putain, tu t'es trompé, t'es bête, tu sais pas lire. Mais bon, je préfère le dire, on sait jamais. Bon, bref, on va pas parler de ce sujet-là. Du coup, on va faire un petit showcase d'Escanor, au cas où. Mais je joue un PVP normal. Pour le moment, le PVP Elite, je garde encore la team qui est assez cancérigène sans vous avoir plus tard. Bon, déjà, ceux qui connaissent pas, encore une fois, donc regardez bien les compétences. De toute façon, j'ai pas envie d'expliquer, juste regardez bien. Donc, si vous mettez 2 étoiles, vous tapez, puis ça fait une orbe de plus. Et si ça 3 étoiles, ça fait 2 orbes de plus. Ensuite. Et puis aussi, j'ai pas dit quand tu vois Arthur qui met son buff. Et ben quand vous mettez à 2 étoiles ou 3 étoiles, et ben ça enlève le buff à un adversaire en fait, tout simplement. Sans les voir dans le gameplay. Ensuite, bon les super, si t'as mis Merlin à la place, mais bon de toute façon je pense que ça sert à rien de mettre Merlin, parce que Merlin t'en as vraiment besoin pour le sub, qui permet d'avoir un orbe supplémentaire, pardon. Du coup, ben bon, hein, ça peut tarder. Merde, putain, c'est pas ça. Du coup, normal. Bon, pour le moment, ce que ça joue le plus, c'est Escanor vert, Gozer rouge, Gimme bleu et Merlin vert. Donc, PvP Elite, je vais montrer assez cancérigène. Voilà. Elbram et tout. Oh, les Elbram plus King, laisse tomber. Parce qu'en fait, ces deux personnages-là, ils font double pénétration en fait. Bon, je pense que je vais faire minimum 2-3 games. 2 games minimum. Pour voir. Enfin, pour vous montrer comment. Comment ça se passe avec Escanor? Parce que c'est pas parce que t'as Escanor et que tu gagnes tout le temps, quoi, tu vois. Ça veut rien dire en fait. Bon, alors qu'est-ce que attendait comme game? Attention. Bon, si on perd, c'est normal parce que dans la vie on peut gagner tout le temps. Et en plus, vous avez vu aussi que je suis enfin réussi à monter en champion depuis une semaine. Comme ça, chaque semaine, je vais avoir 50 diamants. Du coup, maintenant, je vais essayer de monter l'élite pour essayer d'avoir quelques pièces festival pour acheter des items UR. Bon, alors, vu qu'en face, ils jouent exactement la même chose, du coup. Bon, je pense qu'on va peut-être jouer comme ça, ensuite, comme ça, et comme ça. Bon, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à dire en commentaire, hein, au cas où, parce que moi, des fois, je fais des erreurs sur. Parce que des fois, on peut s'en réfléchir. Putain, regardez bien. C'est tellement abusé les dégâts. C'est tellement n'importe quoi. Oh, par contre, on peut faire quelque chose de bien, par contre. Je peux pénétrer. Enfin, pénétrer. Je peux utiliser le double pénétrer. Putain, j'ai pas parlé, ça m'énerve. Pétrifié, voilà. Sur Escanor et Bucking, voilà. Bon, alors, ça tombe bien parce que. En fait, je vous ai pas dit. Si vous voyez qu'Escanor, il y a déjà sa jauge ultime. C'est-à-dire qu'il sera immunisé au malus en fait. Parce que si tu tentes de pétrifier avec ton king ou quoi, ça va pas marcher. Tu vois. Mais heureusement, il n'y a pas encore son super. Parce que sinon, on est un petit peu dans la merde. Bon, là, ce que vous voyez, c'est un peu comme ça, hein, mais bon, il n'y a pas le choix. Parce que Escanor, il fait super mal. Tu vois, s'il faut pétrifier King pour pas qu'il soigne ses adversaires. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être augmenter ses cartes, ensuite nous empêcher d'attaquer, à mon avis. Ouais, ok. Et ensuite d'attaquer à 3 étoiles, ça. Ah non, 2 étoiles. Est-ce que je dois utiliser la vie? Ouais, on va peut-être faire comme ça. Comme ça. Et on va peut-être partir comme ça. Ok. On va faire le super Gozer. Tac.
Bon, j'espère que vous entendez bien, hein, parce que j'ai enfin enlevé le son du jeu, parce que le son du jeu t'empêche de parler, c'est un truc de malade. Donc j'espère qu'avec le son, enfin le son de l'effet, et qu'on appelle ça déjà, l'effet, la voix des personnages. Donc espérons que c'est mieux que... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais tuer Escanor ou... Ouais, je vais peut-être essayer de tuer Escanor. Genre, je vais faire comme ça. Ça. Bon. Espérons qu'il va peut-être mourir, parce que sinon, bah, on est un petit peu dans la merde. Attention. On va faire un coup pour le one-shot et... Oh, c'est tellement abusé. Franchement, vous voyez pourquoi ce scanner est tellement abusé. Parce que faut vraiment... Après, un truc que je vous conseille, parce que si vous voyez ce genre de team, commencez à focus sur le team, parce que lui qui fait que soigner et tout ça. En fait, le plus important, c'est comme si une fois que t'as ton super d'Escanor, ou peut-être n'importe qui d'autre, vous focus directement Escanor. Parce qu'en fait, si vous focus pas l'Escanor, et qu'il y a déjà son super, et qu'il met sur l'un de vos persos, il one shot, ça c'est sûr. Sans vous allez voir, je mets le super sur Merlin, vu qu'il est full vie, ça tombe bien. Comme ça, juste comme ça, je vais vous montrer la poche qui va bien one shot. Attention, et. Ah, ça va rentrer un problème. Bon, bah, ça va partir en débat. Après, vu que c'est normal, parce qu'on a un PVP normal, du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'équipement. Au pire, c'est quoi? Je fais juste une game en normal, ensuite je fais une game PVP. Pour l'instant, ça prend plus de temps, parce que j'ai pas l'habitude de faire le montage sur. Au téléphone, mais bon, je fais juste deux games, c'est tout. Bon, bref. Bon, de toute façon, là, on a gagné la game. Du coup, le Gozer, il est mort. Il reste plus que la Merlin. Et c'est ciao. Bon, bah, première game qui est plutôt sympato, on va dire. Bon, du coup, on va refaire la game parce que ça serait bien qu'on tombe sur la team cancérigène pour voir si la team vaut le coup. Bah, si la team vaut le coup contre la team cancérigène que je vous ai montré tout à l'heure avant de commencer. Donc, Ebram rouge, Gozer rouge, Kim bleu et Merlin verte en sub. Voilà. Bon, voilà, c'est une petite deuxième game. Mais après, franchement, les gars, si vous vous sentez pas d'invoquer Escanor, parce que c'est vrai que dans les prochains, sa vocation, enfin, un portail, pardon, il y aura peut-être Lilia, Meliodas Démon, qui sont 10 fois meilleurs que les autres, ou peut-être Escanor rouge, qui est 10 fois meilleur que le vert. Bah, n'hésitez pas à économiser, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est à vous de voir comment ça se passe par la suite. Donc espérons que les prochains portails, ils sont encore mieux quoi. Enfin, qui vaut le coup quoi. Si les portails sont pourris comme le portail des festivals, ben faut pas l'invoquer parce que c'est le pire portail. Et puis voilà quoi. Bon là c'est encore le même team de tout à l'heure, du coup je fais comme tout à l'heure, je focus directement le King. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai. Parce que si j'avais l'attaque à 2 étoiles, ce que vous voyez entre les deux cartes, j'aurais dû être directement mon super, en fait, tout simplement. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que si je fais ça. Attends. Si je fais ça. Attends. Je sais pas si. Des fois, si vous dites que je fais des erreurs, n'hésitez pas. Hein. Du coup, je fais ça. Non, attends. Je vais faire comme ça. Ça. Et. Non, attends. Ouais, des fois je panique. Hein. Du coup, je fais ça. Ça. Ouais, je suis obligé de jouer comme ça parce que je me dis si je mets un coup sur. Un coup d'escalade sur Kim parce que je suis pas sûr de le buter. Bon, c'est encore la plus compliquée. Je suis désolé. Ceux qui ont la haine contre moi pour ce genre de combat, donc on fait comme ça, on peut pas faire mieux. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Du coup, il va améliorer ses cartes, évidemment. Ah, sur Escanor? Quoi? Intéressant. Bon, là, je le one-shot à mon avis. Ah, putain!
Attends. Si je fais ça. Attends, ça. Et on va partir comme ça pour pétrifier le gozer. Parce que pour ceux qui savent pas c'est le gozer rouge, parce que vu qu'il est dispo dans une chose, n'hésitez pas à le prendre. Parce qu'il est très important à choper. C'est totalement jouable. Et surtout, faut pétrifier directement gozer quand vous voyez son ulti. Parce que s'il a son ulti et qu'il met sur nous, et ben tout est super que tu vois, et ben tu peux dire au revoir. Tout simplement. Ça t'enlève. 3-4 points de fois. Bon, Berlin fait la même chose, mais c'est une attaque à une étoile. C'est la même chose pour avoir 2 étoiles. Mais par contre, s'il y a 3 étoiles, bah, ça t'enlève 3 orbes en fait. Ouf. Ouh là 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 là. Bon, déjà, on va se soigner. Ensuite, on va tuer Escana. Et le dernier, on va faire sur le super de Gozer. Bon, pour l'instant, on s'en sort bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Quand, franchement. Après, je vous dis, si vous avez Escanor, n'hésitez pas à faire ce genre de team. Si vous n'avez pas Gozer, c'est d'avoir quelques SSR pour acheter dans Coin Shop. Je pense que tout le monde peut l'avoir facilement. Faites juste la campagne jusqu'au chapitre 2, je crois. Et normalement, vous chopez King, quoi, tout simplement. C'est le perso qui est plus facile à choper, en fait. Et si vous l'avez, il faut le monter directement. Tout simplement, parce que c'est plus important de monter pour ceux qui commencent le jeu. Par contre, je suis pas sûr de le tuer, je préfère le pétrifier, on sait jamais. Pourtant, je pense qu'à mon avis, le King bleu, il va peut-être le faire mal. Attention, est-ce qu'il va-t-il one shot les deux? Ah non, tu vois, j'ai bien fait de le faire. Enfin, j'ai tué quand même les Gozer, mais au moins. Oh, t'es sérieux? Il reste un PV? Oh, la blague. Tiens, on va faire team meilleur pour la fin. Enfin, c'est quitte pas, ce serait cool. Regarde, c'est quoi, gars? On va faire comme ça. Meilleur pour la fin. Hop, petit 3 cartes. Oula, ça bug là, j'ai rien compris. Je sais pas si ça récorde comme ça, les gars. Putain, ça m'a cassé le délire. C'est une petite victoire, voilà. Bon, écoutez, hein, franchement, le showcase Escanor, franchement, il est très très bon en PVP et aussi en PVE parce qu'il fait énormément de dégâts. Donc, si ceux qui veulent essayer d'avoir des persos comme ça, bah, n'hésitez pas à l'invoquer. Donc, le portail est toujours dispo. Du coup, je sais plus, il est dispo jusque quand. C'est jusqu'à le 12 mai. Ouais, c'est ça, 12 mai. Ouais, c'est ça, 12 mai. Parce que j'allais dire moins juin, mais fait pas du tout. Bah du coup il vous reste encore quelques jours, donc n'hésitez pas à l'invoquer, et puis voilà quoi. Bon, je pense que c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo Faux Showcase vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, et si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres personnages pour faire Showcase, bah, n'hésitez pas à dire en commentaire quel perso vous voulez que je fasse. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de soirée, et restez chez vous, c'est très important les gars, et portez-vous bien. Ciao ciao.